Voici 1000 ans que la même planche de cyprès, 2 fois par jour, appelle à la prière ceux que l'on a pu nommer les hommes fous de Dieu. Fous de Dieu parce que depuis 1000 ans, ils ont choisi de se succéder au pied de ce pic, le plus souvent enneigé, le mont Athos. Depuis 1000 ans, ils ont élu pour royaume les rives de la plus inhospitalière des presqu'îles, tout à l'extrémité orientale de la Grèce. Interdite depuis les origines au regard de toute femme, tolérant pour la première fois l'indiscrétion de la caméra, ces termitières de la foi, qui ont voici quelques jours, pour leur 1000e anniversaire, reçu la visite du roi de Grèce et du patriarche de Constantinople, ce sont les monastères du mont Athos. Ce royaume de la folie, ou plutôt de l'ivresse de Dieu, eh bien, c'est une république qui échappe pratiquement à tout contrôle, même à celui de la Grèce, dont elle fait pourtant territorialement partie. Dans les rues de Cariès, la minuscule capitale, les moines font semblant de s'affairer. À l'occasion, pour les rares touristes et les quelques ouvriers de passage, ils se font cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou marchands d'encens et d'images pieuses. Si paisible que soit Cariès, on a l'impression de quitter la vie trépidante des villes lorsqu'on entre à la Grande Lavra, l'un des quelques 20 principaux monastères du mont Athos. Lavra, comme Vatopédie, comme Pantocrator, ou Dionysos, ou Simonos Petra, c'est le royaume de Dieu, mais c'est aussi le royaume du silence. Un silence que seul vient rompre la planche de cyprès, l'après-midi vers 4 heures, puis à 1 heure du matin, pour l'office qui se prolonge bien après l'aube. Dans l'intervalle, les moines vaquent paisiblement à leurs besognes ménagères. Et puis ils méditent interminablement et interminablement consignent le fruit de leur méditation. Père Pavlos, vous avez quel âge ? 80 ans, n'est-ce pas? 80 ans. Et depuis combien de temps vous êtes à Lavra? Je suis... à mont Athos, je suis de 1922. Depuis 1922? Oui. Il y a donc 41 ans. J'ai travaillé 2 ans à Vatopédie, comme civil, médecin civil. Vous étiez médecin? Médecin, oui. Vous parlez très bien le français. Vous connaissez la France? Oui, j'étais à Paris 1910. 1910, j'étais là, à Paris. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris? À Paris, j'ai travaillé dans l'université, dans les différents hôpitaux, Tarnier, Saint-Louis, Hôtel-Dieu. Oui. Je me rappelle très bien les noms de mes professeurs, Dieu la foi, Babinski, voilà, Fort, gynécologue,
s'appelait Marion. Lorsque vous êtes arrivé au mont Athos, il y avait plus de moines que maintenant. Oui, nous étions au commencement jusqu'à 120. 120. Maintenant, nous sommes 80 seulement. Et c'est vrai un peu pour tous les monastères, le nombre diminue. Oui, oui. Pourquoi, d'après vous? Oh, c'est comme la société, n'est-ce pas, ne marche pas bien, comme... morale, n'est-ce pas, les morales. Vous pensez qu'il y a une crise morale? Oui, oui. Une crise de vocation religieuse. Ce livre que vous tenez, là, ce sont vos mémoires, c'est votre biographie. Oui, oui. C'est le premier texte, c'est-à-dire, ce sont des volumes, 164 volumes comme ceci. Mais 164 volumes comme ça, pour l'instant, vous en avez écrit combien? Comme ceci? Oui. J'ai dit 164. Ils sont déjà écrits? Oui, oui. Mais vous avez commencé il y a combien d'années? Quand j'ai commencé, ici à Mont Athos, j'ai commencé de l'orthopédie, mais j'avais des notes de ma vie. C'est une orthographie exacte, très détaillée, avec les observations philosophiques, religieuses, de l'état général du monde entier. Oui. Je suis très content de mes recherches. Il y a des choses très jolies dans vos mémoires. Vous faites par exemple des croix avec des timbres-postes, c'est ça? Oui, oui. Ce sont des timbres du monde entier. Oui, mais sur un fondement religieux. Mais tout ça a une signification religieuse, oui. Ce n'est pas seulement décoratif. Il y a les timbres français là-dedans? Des français? Oh, j'en ai beaucoup. République française. Elles sont finies, vos mémoires, maintenant? Vous avez terminé? Pas, ça n'est fini pas. Excepté quand il voudra. Et bon Dieu. Oui, parce que c'est quelque chose d'immense. Universel. Je continue encore. Je continue. Il continue, mais après lui. Les jeunes visages sont rares au mont Athos. Pour 10 moines qui meurent, combien de nouveaux arrivants? 1, 2 peut-être. Crise de vocation sans doute, mais aussi remous de l'histoire. La révolution russe de 1917, puis la naissance des démocraties populaires, on tarit la plus grande source du mysticisme chrétien orthodoxe. Le mont Athos ne voit plus affluer tous ceux que la grâce touchait, venant de Russie, de Bulgarie, de Roumanie, de Yougoslavie. À Saint-André, monastère russe, ils étaient plus de 200 en octobre 1917. Aujourd'hui, ils sont 6, accablés par l'âge et le dénuement, errant lamentablement dans ces cours trop grandes. Entre ces murs qui s'écroulent et parfois brûlent, sans que nul n'intervienne. Celui-ci était officier de l'armée tsariste. Ils sont 6 et un novice. Ce Mongol, déserteur de l'armée rouge, arrivé ici voici bientôt 20 ans sous l'uniforme de l'armée Vlassov, bientôt 20 ans, et il est toujours novice, car il paraît qu'il boit vraiment trop pour faire un moine, même au mont Athos. Partout, c'est le même dépeuplement. On a compté jusqu'à 10 000 moines
Ils sont maintenant moins de 1500. Aux heures chaudes du jour, il semble que la vie ait déserté ses cours, ses cloîtres, ses balcons. Un chat, obligatoirement mâle pour obéir à la loi religieuse, semble veiller ce néant. Et un seul panier suffit désormais à ravitailler les derniers occupants de Simonos Petra. De moins en moins nombreux aussi, ceux qui ont choisi la plus profonde des ivresses mystiques, les ermites, les anachorètes, ceux pour qui la plus inaccessible des falaises est un royaume où rejoindre Dieu. Comme ils ont fui le monde, les ermites fuient la caméra, sauf l'un d'eux, si âgé qu'il ne s'est rendu compte de rien. Et puis celui-ci, qui est aveugle. Ils étaient plus de 10 000, ils sont maintenant moins de 1500. Pour un novice que touche la grâce, la mort saisit 10 de ses prédécesseurs. Un jour peut-être, il n'y aura plus personne pour sonner les carillons des monastères. La vigne poussera toujours sur les flancs du mont Athos, mais ce sera la fin de l'ivresse de Dieu.